Lui là, ça donne, hein. Tu as la clientèle. Ah, très grande. Ah, c'est bien ça. Tu peux déjà cotiser même 3 000, 2 000. Tu peux donner encore 1 000 francs comment, non, maman Choco? Je vais le faire, ma chérie. Dépêche-toi seulement. Je vois comment ça donne. Ok, maman Choco. À la prochaine seulement. Demain. Je voudrais que saluer la maman d'une amie, s'il vous plaît. Bonsoir, maman. Bonsoir, Laura. Comment tu vas? Je vais bien, maman. Ok, merci. Dis, maman, Déborah n'a pas travaillé aujourd'hui? Non, Déborah est allée à Bonaprise chez sa tante. Elle va revenir dans la nuit. Ah, je vois, je vois. J'essaie de la joindre depuis là, mais je n'arrive pas. Ah, mon fils, c'est vous qui connaissez le gros téléphone. Moi, je ne connais pas déjà. C'est elle qui sait comment manipuler le téléphone. Ok, maman, je vais continuer à essayer et peut-être je vais tomber finalement sur elle. Exactement. Mm-hmm. Mais alors, Laurent, qui est-ce? Maman Choco, la maman d'une amie à moi, Déborah, on a grandi ensemble, c'est une amie d'enfance. Ici, c'est le cafétéria assuré, cafétéria Maman Choco. Ouais. Le déjeuner, copieux du matin, c'est ici qu'on le prend. Ça dit quand tu prends le déjeuner ici, ta journée est assurée. Ah bon? Non, cafétéria Maman Choco. Merci beaucoup. C'est ici que prend aussi mon déjeuner, faites comme moi. Ok. Là, ça veut dire qu'on va commencer à s'abonner ici. Non, abonnez-vous. Ne commencez pas seulement. Abonnez-vous. D'accord. Hein? D'accord. Venez par curiosité et certainement par satisfaction, vous allez rester. Exactement. Ok, maman. Merci beaucoup. D'accord, maman. Très bonne journée. Hein? Merci, maman. Merci. Chez maman, je vois à toi. Bon, comme je te disais souvent, chérie, tu sais, tout le temps, je te parlais de ma petite sœur adorée. Ouais. La voici enfin devant toi, elle, c'est Akamba. Et Akamba, ça, c'est mon petit cœur, le sucre de mon tapioca. D'accord. Très enchanté, Akamba. Plaisir de te voir enfin. D'accord. Le Allez. Plaisir est partagé. Merci. Alors, comment se passe ta journée? Avec cet instant précis, la journée elle est très très belle. Super. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas à l'école? Tu travailles? Pour le moment, là, j'ai fini avec l'école. Ce que je fais, je cherche juste un peu de quoi faire. Je cherche du travail. Waouh! En plus d'être belle, tu es intelligente. Merci. C'est dans la famille, hein? Ouais, la famille de beauté, hein? Wow, j'aimerais bien qu'on se revoie très souvent comme ça, qu'on ait une autre occasion de prendre un pot ensemble, tu vois. Ah, moi, j'ai pas de problème, vu que je ne travaille pas, donc j'ai pas de problème. Et j'espère que la prochaine rencontre, ça sera toujours avec moi, bien évidemment. Oh, bien donc, entendu, c'est... chérie. Ah, c'est ta petite soeur quand même. Hein? Elle a toujours été jalouse. Hein? C'est ta petite soeur quand même. Bien entendu, tu seras là. Et donc, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, moi, je suis mon propre patron. J'ai ma petite entreprise qui s'appelle Plein Osas. Je fais dans la distribution des produits alimentaires, du vin, des liqueurs, voilà. D'accord, c'est bien. En fait, si ma sœur est heureuse, moi aussi je suis. C'est un très grand plaisir. D'accord. Et au plaisir de se revoir tous les deux. D'accord, à vous. L'homme, c'est sa parole. Une femme ne doit pas rester comme ça. Une femme doit faire un petit quelque chose, un petit boulot, comme je t'avais dit la dernière fois. Et ça permet aussi que je me stabilise, quoi.
Parce que tu sais, je ne fais pas un boulot très stable, ça va, ça vient et autres. Hein? Là, j'ai décidé que... Tu m'avais dit quoi la dernière fois? Cafétéria, restaurant? Non, la cafétéria. La cafétéria, la cafétéria. Voilà. Je me suis quand même battu. Voilà. Excuse-moi. Voilà. Donc, non, tu prends tout. Merci. C'est pour toi. Merci. Merci beaucoup. Et que si tu utilises 5 000 dans cet agent, que ça te rapporte 25 000. Alléluia. Mais mon chéri. Hé, maman Choco. Je vais te tuner. Merci. Oui. Tu dois faire bon usage de cet agent. Un homme, c'est la femme. Si tu es bien, moi je suis bien. Exactement. Merci. Mon chéri, Chocho. Oui. Depuis que mon mari est décédé, c'est comme si j'avais même seulement, je m'étais égarée. Parce que tu es vraiment celui qu'il fallait pour moi. Même quand je suis en train de cuisiner, c'est ton visage qui vient dans ma tête. Je regarde, mon Dieu, c'est quoi? Hé, hey, Seigneur, maman, merci Choco, beaucoup. Il m'a fait pour toi et il t'a fait pour moi. Eh oui, je vais te tuer. Eh oui. Merci. À ta santé, maman. Merci beaucoup. Michel, comme tu es en train de dire que je suis méchante, que je manque le respect aux gens là. J'espère que le tout aussi là, comme on parle là, c'est toi qui parles. Et ça, c'est quelque chose qu'on négocie seulement. Ah. C'est pas quelque chose qu'on va négocier. C'est ça ou c'est ça? Hein? Oh. Parce que là où moi je suis là, non, moi je suis dehors. Je n'ai pas de place. Tu ne peux pas errer alors que notre frère a laissé une grosse maison à Douala. Ça ne peut pas se faire. On va même sortir même l'une de ses filles dans une chambre là. Toi, tu t'installes. Okay. Est-ce que tu vas souffrir alors que notre frère avait laissé la maison? C'est impossible. Aussi à porter même... Hey, méfie-toi. Apprends à respecter les aînés. C'est quoi avec toi? Merde. Oh. Porte ça vite, ne me perds pas le temps. J'ai des choses à faire. Quand toi-même tu sortais la bouche, tu ne savais pas qu'un jour le loyer allait te rattraper. Il faut souvent faire la politique. Hein? Avec les belles soeurs, c'est la politique. Quand tu sais que tu es en position de faiblesse, hein? Tu ne sors pas tes griffes directement. C'est quoi ça? Maman Choco, bonjour. Bonjour. Pardon, c'est toi que je suis venue voir. Venue voir pourquoi? Tu sais, la dernière fois, j'étais venue ici là pour faire un prêt de 50 000. Comme tu ne m'as pas donné là, voilà que le bailleur m'a mise à la porte. Et là où je suis là, je n'ai nulle part où aller. Je te pose la question si c'est l'orphelinat ici. Maman Choco, je n'ai pas dit ça, pardon seulement. Tu t'as gêné, pardon, lève-toi, je ne suis pas Dieu. Tu t'as gêné devant moi, pourquoi? Tu m'insultes plus. Hein? Tu m'insultes plus. Jusqu'à la terre finie, tu n'habiteras pas chez moi. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces passent par là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment mes frères
de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école, pour survivre dans la vie. Chose promise, chose faite, directement.